Mal a béni les écoles et universités ouvertes. Une attaque des sur place à béni. Zone rouge, 18 décrets étaient attaqués par les ADEF. Activités ont repris en février 2021 et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de 2 ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agribusiness. Les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des lotobawines, beurre d'arachide, j'achète des arachides, puis je transforme ça à beurre d'arachide. Moi, je compte vraiment me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui est en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer aussi notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président Fatou est en train de faire. On veut aussi les remplacer un jour, faire le mieux de ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce. Sur les abords de la RN4, il y a quelques mois, c'était impensable. Au sujet de Béni, les images des élèves en sit-in à la mairie réclamant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avaient fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devrait pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités champestres, mais actuellement ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près de cadres militaires. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux, nakokofa pona ekolo. 789 élèves sont régulièrement inscrits ici. Les effectifs ont augmenté avec les écoliers venus des quartiers encore sous la menace des terroristes. Le directeur général de l'office de route, Herman Mouti Massakrini, est en visite d'inspection des infrastructures routières dans la province du Nord Kivu. Le directeur général de l'office de route est allé évaluer les niveaux d'exécution des travaux sur 2 sections, Goma-Rutshuru et Goma-Sake. C'est sur la route nationale numéro 2. Blaise Bokokia. La réhabilitation des axes routiers dans la province et du Nord Kivu, une préoccupation permanente des autorités compétentes. Faisant partie de la délégation du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics dans cette partie du territoire national, le directeur général de l'Office des routes a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 dans ses tronçons compris entre Goma-Rutshuru et Goma-Sake pour se rendre compte de l'état des infrastructures et des travaux de réhabilitation en cours par la brigade de l'Office des routes Nord Kivu. Après ce qui s'est passé ici dans la ville de Goma, il était de notre responsabilité de venir voir quels sont les dégâts qui ont été causés sur notre réseau routier et prendre des mesures qui peuvent permettre de régler rapidement la situation. Donc nous sommes dans la suite du ministre d'État. Et maintenant, nous sommes sur la route nationale numéro 2, dans le tronçon qui va de Goma vers le nord du pays, en nord-est, donc vers Mutembo. Maintenant, le premier constat que nous faisons, c'est que la route a été touchée ici, pour environ 200 mètres, avec des fissures, donc avec notre... Nos laboratoires aussi. Nous allons analyser la situation et voir quelles mesures nous pouvons proposer à l'autorité pour que rapidement on revienne à la norme. La détermination est de mise. Engins et personnel de l'Office des routes déjà déployés pour l'exécution des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme d'entretien routier 2021, programme financé par le FONER. L'ingénieur Herman Mouti Massakrini a terminé cette visite d'inspection par les ponts Sake, nouvellement réhabilités afin de permettre la fluidité de la circulation dans cette partie de la province du Nord Kivu
où l'agropastoral figure parmi les principales activités de la population locale. La situation sécuritaire avec l'évolution de l'état de siège en Ituri, c'est la toile de fond de l'audience que la ministre près le président de la République, Nana Manouani Nakiumba, a accordé à une délégation de la Ituri en séjour de travail à Kinshasa. On fait le point avec Jacques Kabwaba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre est prête, le président de la République, professeur Nana Manouani Nakiumba, s'est engagé à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et de tous bords à se souder le coude en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, d'un Congo fort, debout et prospère. Dans ce cadre qu'elle a échangé pour la deuxième fois avec la délégation de la jeunesse iturienne en séjour de travail à Kinshasa, en toile de fond, la situation sécuritaire avec l'état de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand c'est mince, du Congo est un problème, c'est plus le Congo qui est un problème. Les gens ont cet engagement-là. Et nous sommes toujours là, très proches d'eux, pour travailler ensemble, de sorte que la paix, une véritable paix, soit rétablie dans la contrée est du pays, et particulièrement en Ituri. Actuellement, ce sont nos frères de l'Ituri, du Nord Kivu, qui ont plus besoin de cette unité, de cette langue de solidarité, qu'ils se sentent également appartenir au Grand Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées à la gérance extérieure. Le directeur général de l'Ankara pour le développement économique en Afrique, Jean-Michel Samalou Kondé, au menu de leur échange, la possibilité d'accompagner le programme de développement de la République démocratique du Congo. Patty Tondwango. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage conformément à sa mission à contribuer à l'accroissement du volume des investissements directs étrangers arabes en République démocratique du Congo et à mobiliser des financements privés pour les investissements. Son directeur général Sidi Oultaï, reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge ce jeudi 17 juin, a expliqué au chef du gouvernement les nouvelles stratégies de la BADEA 2030, axées notamment sur des infrastructures et le développement des chaînes des valeurs agricoles. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeur agricole, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est des priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité donc, de la banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public, mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés. Ceci en plus des interventions de la banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés donc, à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. À la fin de sa mission en République démocratique du Congo, une feuille de route sera convenue avec le ministère de l'économie et des finances pour les actions futures de cette banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes, a conclu Sidi Oultaï. En nouvelle, sachez qu'il s'ouvre en ce moment même à Antalya en Turquie le forum sur la diplomatie innovante nouvelle ère. Approche. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, représente la RDC. Et ce forum examinera la situation de réfugiés et autres déplacés en cette période de pandémie à COVID-19 et la nécessité de mettre en place une bonne politique
internationale. Plusieurs thématiques sont au programme, entre autres la gouvernance mondiale, nouvelle approche, nouvelle ère, dans les relations entre la Turquie et les autres pays. Partenariat avec l'Afrique, gain mutuel. Notre consoeur Doris Mozokie, qui se trouve sur place à Atalia, nous rendra avec force détails dans nos prochaines éditions. Parlons santé à présent. Comme vous le savez, depuis un certain temps, les infirmiers de Kinshasa sont en grève, une situation qui met en danger la vie des enfants prématurés. Et comment alors se présente la prise en charge de ces enfants? Tentative de réponse dans ce reportage de Toto Célestine Songo. Les mouvements de grève déclenchés par les infirmiers soulèvent la question principale de la prise en charge des malades. La déontologie est catégorique sur l'obligation de ne pas abandonner les patients, d'où l'exigence d'organiser un service minimum, surtout pour le cas le plus urgent. Dans cette catégorie, on peut citer les enfants prématurés, comme le souligne le docteur Sylvie Izia Munkar de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. La grève se fait par les professionnels de santé, les infirmiers, les administratifs, mais les médecins ne sont pas en grève. Donc la poursuite médicale des malades qui sont hospitalisés se fait normalement. Il y a aussi une équipe restreinte des infirmiers qui administrent les soins appropriés aux malades jusqu'à leur sortie. Notre passage à la pédiatrie de Kalembelembe nous a permis de savoir si les patients venus avant la grève sont pris en charge. Par contre, ceux qui se sont fait enregistrer après le 9 juin ne le sont pas, selon, semble-t-il, une obligation déontologique. Formation médicale sur pied depuis l'époque coloniale est classée en très bonne position en Afrique centrale. L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe mérite mieux par rapport à sa situation actuelle. L'État doit faire absolument, en tout cas des efforts, pour aider les enfants, aider l'hôpital. Et en les aidant, nous nous aidons nous-mêmes, puisque c'est au travers de ces enfants que chacun de nous fera porter pour l'avenir son nom. À l'hôpital général ex-Mamayemo, les enfants prématurés ont la garantie d'être suivis par le médecin. Mais du côté des infirmiers, ils réclament la résolution en toute urgence d'un problème administratif. Ils se sont organisés, les choses se viennent avec un ou deux adjoints. Ils s'occupent des enfants pendant la journée de l'administration de son service. Et puis, les soirs, ce sont les médecins. Ils donnent les soins aux enfants malades pendant la grève. On les reçoit. Je demande à ce qu'il y ait quand même justice de tous les paramédicaux. Parce que nous avons observé que les médecins qui ne sont pas payés, on les aligne et les autres catégories, on ne les aligne pas. Ce qui n'est pas normal. Les infirmiers sont dans leur droit d'observer un arrêt de travail, mais le patriotisme est là pour leur rappeler qu'ils ont le devoir de sauver la vie de ces prématurés, mais futurs cadres de demain. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine d'Mbujimayi par la société Grexet dans le cadre du projet Chilegelou et la lutte anti-érosive menée par l'OVD évoluent bien à la satisfaction de la population bénéficiaire. Ces constats et de Madame le gouverneur intérimaire Jeannette Lunga Muswamba lors de sa visite d'inspection sur ces chantiers. Le gouverneur de province intérimaire du Kasaï oriental a commencé cette visite d'inspection par la base vie du projet Chilegelou en passant par la bétonnière, le dépôt des matériaux pour chuter au drain des conduites des eaux qui viennent de l'aéroport de Mbujimayi jusqu'à l'exétoire. De là, Jeannette Lunga Muswamba est allée au rond-point Kalala Wankata avant de visiter le point anti-érosif mené par l'OVD sur le la commune de Bipemba, Bobo et David dans la commune de Djoulou. Par l'autorité provinciale intérimaire de l'OVD, Trésor Kachala, sur l'évolution des travaux. Trésor Kachala s'est dit heureux de voir l'autorité provinciale visiter ces chantiers. C'est de bon aloi que l'autorité provinciale puisse les inspecter. Et c'est la première inspection que nous recevons dans le cadre des travaux de lutte anti-érosive et du programme d'entretien routier. Nous rassurons la population est-kassaïenne que les choses se font d'une manière un peu plus différente. Nous sommes dans un état de droit. Qu'ils se rassurent que ces travaux seront exécutés dans le respect des normes. Au terme de cette visite,
La gouverneure de province intérimaire a félicité les travaux faits qui ont sauvé des habitations. Ben, la qualité est bonne parce qu'ils ont des machines, ils ont des labos avec l'office des routes. Ils sont allés tester au niveau des laboratoires office des routes. Ça se présente bien parce que ce n'est pas les têtes congolais qui manquent. Hein. Ils ont des techniciens, des ingénieurs qui sont là, ils font du bon travail avec les Chinois. À la population espérançaïenne, tout ce que je peux demander, c'est d'être avec eux. OVD, ils travaillent avec la population. C'est à nous aussi de bien protéger les ouvrages. La même chose pour les genoux. Ce n'est pas qu'on a conçu des caniveaux et nous, à notre tour, on commence à remplir les caniveaux avec les inondices. Non. La population qui a accompagné la gouverneure de province intérimaire souhaite que ces travaux se poursuivent jusqu'à la fin. La pandémie de COVID-19 a impacté négativement les recettes des communes de la capitale Kinshasa qui n'ont pas atteint leur assignation au premier semestre de l'année en cours. Le quota des investissements pour les besoins sociaux de base en faillite à Bumbu et à Kitambo en tribune d'expression populaire. Ikinzuzi. Le contrôle citoyen et la redevabilité de la gestion des finances publiques ont soumis les bourgmestres des communes dans la ville-province Kinshasa à un exercice devenu habituel devant leur administré chaque année. Les tribunes d'expression populaire n'ont pas connu une forte participation de la population à cause de la pandémie de la COVID-19. Dans la commune de Bumbu, par exemple, l'autorité municipale a fait le rapport sur les recettes assignées de près de 25 millions de francs congolais au premier semestre 2021. Un faible taux enregistré, mais cela n'a pas empêché de répondre tant soit peu aux besoins exprimés par la population pendant les forums des quartiers. Au cadre de l'investissement, 40% doit servir à la demande de la population dans le cadre du budget participatif. Mais en termes de pourcentage, nous sommes en deçà de 30%. C'est très faible. Nous sommes dans une situation de pandémie de Covid. Et puis le 40% ou la rétrocession qui devait venir du gouvernement central n'a pas été suffisamment mobilisé. À Kitambo, même exercice. Les membres du comité communal budget participatif et les délégués de la société civile ont noté que les recettes ont atteint 46% des réalisations grâce aux efforts fournis dans la collecte des taxes étalages principalement. La commune de Kitambo avait comme assignation 51 216 954. Ce montant devrait servir pour la construction de deux quartiers, quartier Tinkela et quartier Salon, qui travaillent dans un conteneur au solar. Ça devrait aussi servir à l'assainissement, au curage. Partout, il a été reconnu l'avantage de l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, et l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo, dont les acquis sont à pérenniser par les bénéficiaires. Devenu autonome, c'est une dimension que prend le ministère de la formation professionnelle. La ministre de tutelle, Antoinette Kipoulou, et les experts de son secteur ont pris part à la réunion du comité ministériel de la SADEC sur l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation. C'est à partir de la réunion que les experts du ministère de la formation professionnelle ont pris part par visioconférence à la réunion du comité ministériel de la SADEC, éducation, formation, sciences, technologies et innovation. Une première dans l'histoire de ces ministères qui a acquis son autonomie après une longue période de dépendance. Sous la houlette de la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, la RDC a réaffirmé son objectif de faire de ces secteurs le fer de lance du développement du pays à travers une main-d'œuvre qualifiée. Et ces grands rendez-vous africains étaient une occasion également d'un renforcement des capacités des experts du ministère de la formation professionnelle à travers les experts de la SADEC quant à la gestion du système éducatif, tant dans son volet formel qu'informel. Désormais, la SADEC va considérer comme secteur autonome le secteur de la formation professionnelle. Pour nous, son Excellence Antoinette Kipoulou vient d'adopter les rapports qui constitue désormais la politique régionale de la SADEC et la politique dans laquelle nous sommes alignés pour
la deuxième évaluation, la prochaine évaluation qui va se tenir à Malawi. La présidence étant assurée par l'AMPA pour cette année, l'accord final a été adopté moyennant des amendements apportés par le ministère de la formation professionnelle de la RDC. Par ailleurs, ces assises se tiennent sur 2 ans et s'emploient à dresser un état des lieux de chaque état dans le domaine spécifique de la formation professionnelle. Et puis cette question, comment faire avancer les questions relatives ainsi que le droit humain en RDC et pour en avoir le cœur net, la sous-secrétaire au département d'État américain, Lisa Peterson, a échangé avec la vice-ministre de la Défense nationale, Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna, à ce sujet. Jojo Ndibou. La question relative aux efforts fournis pour éliminer complètement l'utilisation des enfants soldats dans les groupes armés en RDC et l'assassinat de 2 experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan, ainsi que les résultats issus du procès, tels sont entre autres les points abordés au cours de ces échanges entre la sous-secrétaire au département d'État américain, Lisa Peterson, et la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna. Une autre question est celle de savoir comment faire avancer les questions liées ou relatives aux droits de l'homme dans le cadre d'un dialogue permanent mené à l'échelle internationale. This is part of our overall dialogue on human rights with the government of DRC. Sur les questions des droits humains, et c'est maintenant le tour de la République démocratique du Congo. Et nous avons particulièrement parlé de la redevabilité qui toucherait les forces de sécurité. Nous avons aussi évoqué le cas de Sharp et Catalan, parce que nous aurions voulu qu'il y ait des résultats issus de ce procès. And ensuring people can speak freely during this period of a state of siege. Nous voulions nous assurer que les gens peuvent s'exprimer librement malgré cette période d'état de siège. Methods for respecting human rights. Et particulièrement autour de méthodes devant être utilisées pour respecter les droits humains. Lisa Peterson a fait savoir aussi qu'il a été question de rassurer qu'en cette période d'état de siège décrétée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les 2 provinces d'Ituri et du Nord Kivu, les forces de sécurité respectent les droits humains ainsi que la liberté d'expression des citoyens. La vice-ministre de la Défense nationale a rassuré à son hôte que la RDC ne ménagera aucun effort pour que les droits humains soient respectés par les forces loyalistes. Suivez à présent cette cérémonie officielle de remise du kit bouquet Fachi, qui n'est rien d'autre que de nouveaux matériels didactiques pour l'école maternelle. Ce kit s'appelle bouquet Fachi, constitué de matériel didactique pour les apprenants de l'école maternelle. L'innovation est l'œuvre des auteurs et écrivains de livres membres de l'ASBEL Salon littéraire Ngongi, qui vient répondre à un appel pressant des institutrices, notamment l'uniformisation de l'enseignement maternel et à l'épineux problème de carence de manuels pour les élèves et les institutrices. La présidente de l'ASBEL, Julie Mélian Malundama, a remis officiellement ses manuels au gouvernement congolais à travers la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Nguema, en 2019 et dédié au président de la République pour l'avoir parrainé avec la mise en application de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. C'est un ensemble de 7 manuels, dont 2 manuels pour les institutrices, et 5 pour les élèves. Je les cite, pour les enseignantes, nous avons le Vadmekoum. Et pour les enfants, nous avons 5 manuels, je l'ai dit. Le premier, c'est le livre de littérature maternelle que nous appelons pas à pas, livre de prélecture. Les manuels scolaires est l'un des maillots majeurs qui concourt à cet objectif. Le bouquet Fachi pour l'enseignement maternel en RDC va bien parvenir à son illustre parrain à qui il est dédié. Mon vœu est de voir les enseignants du maternel faire bon usage de cet outil au service des enfants de la République démocratique du Congo. En amont, le salon littéraire Ngongi avait pris part en 2015 à la table ronde sur l'enseignement maternel, à l'issue de laquelle les écoles et les éducatrices de la maternelle avaient formulé la demande de manuels conçus afin de rendre l'enseignement maternel culturel. Bonjour, merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde.
Radio-Télévision Nationale Congolaise. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.